Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de What the Fabric. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, le site a encore été révolutionné. On continue de répondre aux demandes et aux questionnements qu'on peut nous renvoyer, c'est pourquoi nous continuons à nous améliorer sans cesse. On nous a souvent demandé de préciser un petit peu ce qu'était What the Fabric et ses actions. C'est maintenant chose faite grâce au site. Je vous invite donc à aller le visiter. Vous pourrez retrouver des vidéos explicatives sur ce qu'est What the Fabric, son origine et ses différentes actions. Vous pouvez également retrouver le blog qui a sa propre URL, media.whatthefabric.fr, où vous pourrez retrouver du coup tous les articles et continuer à participer pour alimenter ce média de qualité. Nous souhaitons féliciter Elia, le toucan, qui a gagné la battle de toucan du mois de février. Si vous ne l'avez pas remarqué, chaque mois, nous mettons en jeu un t-shirt What the Fabric que vous pourrez gagner si vous êtes le plus bavard. Et oui, c'est bien ça, la battle de toucan. Plus vous êtes actif, plus votre niveau monte, et à chaque fin de mois, nous offrons un t-shirt au plus bavard. Alors, à vos claviers! Cette semaine, nous avons sélectionné l'article de Alex pour le mettre en avant. Ça s'appelle « Dans les yeux d'un junior ». Je vous invite à aller le consulter si vous ne l'avez pas encore lu, à le partager, à le commenter pour générer de la discussion sur le sujet. En tout cas, on est très fiers de cet article et on espère qu'il y en aura plein d'autres. Chaque mardi soir a lieu un call avec toute la communauté. Cette rencontre a pour but d'échanger avec la communauté, de comprendre les besoins, d'expliquer les projets en cours et de pouvoir échanger autour de ça. C'est le moment pour tout le monde de venir communiquer avec tous les autres et surtout donner son ressenti, son retour et pouvoir éventuellement proposer des idées si vous en avez au fin fond de votre tête. C'est le mardi soir dans les channels vocaux à côté de la taverne. Pour le live du mercredi, nous recevons Jacques Sabater. C'est le CEO de Happy, une plateforme liée au BTP. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à être là mercredi si vous voulez en savoir plus. En tout cas, c'est encore une bien belle entreprise que Frény nous présentera. Ce sera à 18h sur Twitch. Comme chaque semaine, je vous rappelle que le jeudi soir, si tu as envie de te détendre, ça se passe dans la taverne et sur Twitch à 20h30, où tu pourras retrouver un jeu qui permet de créer de l'ambiance entre les membres, mais surtout, si tu as des jeux à proposer, viens les proposer dans la taverne ou directement aux équipes d'animation. En tout cas, le jeudi, c'est ouvert à tous, viens jouer avec nous ou simplement nous suivre sur Twitch à 20h30. Je vous rappelle également que chaque semaine, sur Instagram, vous pouvez retrouver le Dico du Geek. C'est un terme un peu geek, expliqué de façon humoristique et sympa, dont vous pouvez retrouver le channel Dico du Geek sur Discord. Vous pouvez venir vous-même proposer votre définition du mot qui aura été choisi. Alors surtout, n'hésitez pas à venir nous donner votre propre définition des mots sélectionnés. Les news, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.